King of Panama. Faites un maximum de bruit pour Mounir. Vous l'avez vu dans la vidéo. Donc il a gagné un battle la semaine dernière, c'est King of Panama. Donc Mounir, c'est un peu le représentatif de Old School. C'est un petit qui est là depuis très longtemps, qui est suivi par Didier. Et tous les petits qui sont là, il y en a beaucoup qui prétendent à devenir comme lui. Il est encore en train de taper. Old School lui a donné la possibilité de faire énormément d'événements, de s'entraîner avec des professionnels. Il y a un kiné qui les suit. Voilà, tous ces jeunes que vous allez voir là, ils viennent tous de quartiers différents, filles, garçons. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de soucis de religion. Vous venez, vous vous entraînez, vous gagnez votre place et vous vous affrontez. On va initier le public. Donc là, c'est le seul battle où vous allez avoir un tutoriel qui va vous permettre de comprendre ce que c'est le break. Comme ça, vous verrez sur quoi les jurys vont délibérer. Ok, parce que des fois, on a le petit qui perd, un gars, il a perdu, c'est pas normal, mais on ne comprend pas pourquoi. Donc il y a un jury professionnel, on va le présenter après. Un petit son Moux. Le public, un peu de bruit pour Mounir. Mounir, champigny, au beat and beat. Pas de préparation. Ça, c'est pas de préparation. Top rock, il s'amuse. La musique est sur le son. Il a l'assurance, il joue, il a un personnage. Ça, c'est important pour un jury. La descente au sol. La descente. On a toujours besoin d'une descente. Des passe-passe en français. Tic-tac, yes, solution. Plus une coordination motrice, il est au top. Jet. Et là, vraiment, il a une dernière phase. Voilà. La finition. Sur le son. Et là, jet. Coupon, Thomas. Football. On appelle ça une couronne. Voilà, il s'appuie ça. Ça tourne ici. Coupon, boule. Le public, savez-vous. Le tour. Donc vraiment l'agilité, la réalisation du mouvement, s'il fait une figure, il tombe, malheureusement, ça passera pas en moi. Donc voilà, la musicalité, le charisme, la présence, s'il danse, qu'il a les yeux baissés, ça va être pénalisant, etc. etc. Ok, comme ça vous avez à peu près l'ordre d'idée des jugements. C'est bon Mounir. Donc on a plus de faire Mounir, je sais, là, j'avais une petite démo pour vous. Merci. Thank you. Sans musique, il n'y a pas de danseur, donc faites un maximum de bruit pour l'homme qu'on appelle DJ Moussa. Merci. Premier jury, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je ne le connais pas personnellement. Cette année, il s'est illustré à l'IBE, il a fait partie de la Team France, il vient de Paname, il fait partie du groupe qu'on appelle Patrick. Faites un maximum de bruit pour B-Boy Chacal. Yeah. Le prochain jury, c'est la première génération d'élèves à Champigny. C'est vraiment la première personne qui a eu des cours par monsieur DJ là-bas. Il y avait son équipe, il y avait Costaud, il y avait Johan, Chaoud, Moons. Donc faites un maximum de bruit pour l'homme qu'on appelle Choup. Troisième jury, donc encore une fois, c'est une personne pour moi très influente pas dans le break français. Elle était au début, donc le groupe s'appelle Actuelle Force, dédicace à Gabin, Karim Barouche, tout le monde les connaît. Un maximum de bruit pour Karima. Le prochain, 10 ans, qui danse sur cette scène-là, il a fait des spectacles ici, il a fait des battles. Donc faites un maximum de bruit pour l'homme qu'on appelle Constantin, il revient du Pérou. Donc faites un maximum de bruit. Le premier mec qui a fait un battle contre Alana. Il a gagné. Le dernier nous vient du sud, nous vient de l'accent. Fais-nous l'accent, Aziz. L'accent, c'est comme ça, c'est tranquille. Ouais, exactement. Quand tu parles, tu veux. L'accent marseillais. Il nous vient de la Seine-sur-Mer, Southside, un des anciens de Southside, mais vous voyez encore la pêche, il est toujours beau gosse. Il s'appelle B-Boy Magie. Lui-là, c'est le frère, c'est le frère.
On va passer au battle direct. Donc nous, il n'y a pas de tirage au sort. Tout est corrompu direct. Tout est corrompu la veille comme d'habitude. Ouais, c'est normal. Autour du chichapang, ça se passe comme ça. Exactement. Il y a une personne à qui on a frotté le dos, mais elle est toujours pas venue sur scène. Ouais, je te jure. Allez, viens, viens. DJ Boko. Quelle humilité, je te jure, quelle romance. Il y a des gens en train de lui dire, celui que vous me présenter, ça va chier les gars. Et là il faut le mec, genre le mois de Bouddha, ça nous l'a pas passé à nous. Lol.